Un autre qui est beaucoup plus inquiétant. Adil Charkaoui. Il a déjà fait les manchettes pour je ne sais pas trop quoi, lui-là. Ben lui, il avait été le SCRS, le soupçonnait d'avoir participé à des camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. Ben, évidemment, c'est de la calomnie. C'est de la calomnie. Écoute, c'est un simple prédicateur islamiste. C'est un simple prédicateur et un enseignant en français qui se réclame de son droit au Québec d'enseigner le français. Il est père de 4 enfants. Il a le droit de gagner sa vie. Voyons, 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 voyons. Et veux-tu pas que je lis ça avec beaucoup d'intérêt? Il ramène Éric Duhem. Ben oui. Il ramène Éric Duhem dans le portrait et le dénonce vertement comme étant un individu qui attise la haine envers les musulmans. Il se dit harcelé. Adil, j'aurais peut-être une petite réflexion pour toi ce matin. Ton folklore puis tes élans de prédicateur, pourrais-tu te faire pudique et discret, s'il vous plaît, et garder ça pour ta gang dans ta piole? Dans l'espace public, Adil, et dans les institutions publiques, parapubliques, québécoises, c'est-à-dire sur le territoire québécois, on n'a pas besoin de tes parages. Ton folklore, fourre-toi-le dans le derrière. J'attise pas la haine des musulmans. Vos cossins, faites-le en privé de façon pudique. Maintenant, ce matin, j'ai trouvé une définition de la pudeur que tu vas adorer. La pudeur, selon le Larousse, deux définitions, dont la deuxième qui est truculente, se définit comme suit. La pudeur est une gêne qu'éprouve une personne délicate devant ce que sa dignité semble lui interdire. La pudeur serait le propre des personnes délicates, pas des épais, pas des maillets, pas des maillots, non, des maillets. Pas des maillets et aurait comme guide le sentiment de dignité. J'ai trouvé ça tellement beau, j'ai cru à un moment donné que c'était de la poésie. Non, c'était de l'étymologie. C'était... Intéressant. La pudeur. Et la pudeur étant la voisine de la discrétion, évidemment, seront les antonymes de l'ostentation et de l'exhibitionnisme. Cher Adil, t'enseignes peut-être le français, mais il se pourrait que tu ne sois pas le seul bien pourvu entre les deux oreilles. Alors, c'était des nouvelles fraîches d'Adil. Et mais je peux-tu juste poursuivre là-dessus? Parce que lui, là, dans la presse, il rappelle une de ses déclarations. Okay? L'an dernier, quand les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, Adil Charkaoui, qu'est-ce qu'il a fait? Sur Twitter, il a dit qu'il s'agissait de la victoire de la foi et qu'aucun crime contre les civils n'avait été commis. Aïe, aïe. Et c'est lui qui dit... Allez voir ce qu'Éric Duhem tient comme propos haineux contre les musulmans, contre les minorités. Tu sais, quand on dit là, que c'est vraiment Éric Duhem la cible, un sac... quel dos large Éric Duhem, hein? Oui. C'est vraiment... J'insiste, là, on regarde ce qui se passe avec Trump, on regarde Éric Duhem, ils sont en train de l'utiliser au même escient que les démocrates utilisent Donald Trump. Le démoniser, d'ailleurs, écoute, c'est grave, là, comparer les propos d'Éric Duhem à ce qu'Adil Charkaoui a dit.